สวัสดีค่ะCette vidéo va vous présenter comment lire les panneaux de direction en Thaïlande. Comment repérer les différents mots sur les panneaux. Regardez! Le premier panneau, c'est Yut, qui veut dire stop. Oui. Et le deuxième, c'est Yut, droite. Yut, droite. Donc stop, attention, il y a la police. Donc vous arrivez en voiture et en fait quand vous voyez ce panneau, ça veut dire que la police va vous arrêter pour contrôler votre véhicule. Et vous êtes obligé de vous arrêter. Oui. Ça, c'est tang kao. Tang kao. Entrée. Tang o. Tang o. Sortir. Ça, c'est écrit comme ça. Tan. Tan. Ce qui veut dire tonne. Interdit aux 10 tonnes. Oui. En thaï, c'est sip tan. 10, c'est sip. Et le deuxième, c'est mo. En fait, c'est alphabet. Mo ma. C'est la lettre mo ma. Donc, ça veut dire mètre. Oui. Donc, c'est interdit de largeur plus de 2,50 m. Et le second, en hauteur, à plus de 2,50 m. Oui. En gros, s'il voit cette lettre, ça veut dire mo. Oui. Mètre. Oui, ça veut dire mètre. Donc, en thaï, on peut dire les deux, mon ou mètre. Ah, d'accord. Et ça, tanon, suan, bukkon. Tanon, suan, bukkon. C'est la rue privée. Oui, parce qu'en fait, tanon, ça veut dire la rue. Oui. Ça, c'est wat. En fait, dans le panneau, c'est écrit wat, pramahatat. Mais Pramahathat, c'est le nom de Wat. D'accord. Donc, si on voit les deux lettres, ça veut dire Wat, et ça veut dire le temple. Oui. Ça, par exemple, dans le panneau qui écrit pas en anglais, oui. Si on voit cette mot écrit comme ça, c'est Wat. Le temple. Oui. Et après, c'est juste le nom. Le nom du temple qui suit. Ça, c'est Ruan Cham. Ruan Cham. La prison. Oui. Rong Payaban. Rong Payaban. L'hôpital. Sathani Tamruat. Sathani Tamruat. Le poste de police. Et après, c'est tout ça. Le nom du poste de police. Oui. Gomor. Gomor, c'est Gokai. Et Moma, c'est deux lettres. Ensemble, comme ça. Et avec le point. Ça veut dire kilomètres. D'accord. Oui. En thaï, on peut dire les deux. On peut dire comment ou on peut dire kilomètres. D'accord. Donc, par exemple, en bas à droite, Bangkok, 730 kilomètres. Oui, c'est ça. En thaï, c'est 730 kilomètres ou 730 comment. Et donc, du coup, en thaï, les Thaïlandais disent plus comment ou kilomètres? Peut-être. Pour fréquence, c'est que kilo. Kilo, tout oui, court. Oui, c'est kilomètre, mais on dit que kilo. 730 kilos. Oui, c'est ça. Ça, s'il n'y a pas comment, ça veut dire kilomètre. Quand même. Oui. Donc, si vous voyez 40 sur le panneau, en fait, ça veut dire 40 kilomètres, oui. Même s'il n'y a pas écrit comment. Oui, c'est ça. Un autre exemple, donc en fait, vous voyez Bangkok 345, sous-entendu kilomètre. Oui, c'est ça. C'est ça. Oui. Et après, les deux lettres qu'on voit dans les deux premiers panneaux, cela veut dire quartier. La première lettre, c'est un petit quartier, et la seconde lettre, c'est un grand quartier, c'est ça? Oui, c'est ça. Comment tu prononces la première lettre? C'est la lettre Bobemai, oui. Mais si on lit, normalement, on dit ban. Ban. Oui, comme ça. Et le deuxième, c'est en un. La lettre, c'est en un. Mais quand on parle, on dit un peu. Un peu. Un peu. Oui, c'est ça. Ça, c'est en fait, ça, c'est un peu. Vichyenbouli. En anglais, il écrit Vichyenbouli. Mais en, ça veut dire un peu. Vichyenbouli, c'est le quartier Vichyenbouli dans la ville. D'accord. Ok. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous servira pour vous repérer en Thaïlande. Si cette vidéo vous a plu, nous vous remercions de la liker
et de la partager. Léo Tchoukanka.